partir dans 3, 2, 1 et c'est parti! Alors, tous les robots du côté de l'Alliance des Bleus qui ont maintenant sorti de la zone d'habitat, on va voir les points conséquents. Les rouges, on a eu un peu plus de misère. Le 35-10 n'a pas pu sortir complètement de la zone. Donc, l'équipe mexicaine de Primatech doit s'activer. De l'Alliance des Rouges. Elle ne réussit pas à bouger. L'équipe du Mexique qui n'a pas pu vraiment activer leur robot depuis le début de la partie n'a pas encore pu même sortir de la zone d'habitat. Alors, c'est naturellement facile avec maintenant une dernière minute à jouer. Pour les Bleus, d'activer un maximum de points. Cargo ayant déjà 6 écoutilles de posée pour les Bleus et un ballon d'entrée. Alors, on a une tentative d'escalade du côté des Bleus avec le robot 56-18 du PLS vient de se hisser sur la partie supérieure de l'habitat. Il y a 19 secondes à jouer. Les rouges qui marquent quelques derniers points. Et la rampe qui est maintenant déployée complètement pour le 54-40 des Chevaliers. Donc on saura maintenant de quel fonctionnement on peut avoir droit pour la partie. L'Alliance des Bleus qui a clairement fait une avancée ici. Décollage. 57 points qui les mènent à une victoire. Alors,